Un 19h sport spécial le Vendée Globe, parce qu'il se passe beaucoup de choses actuellement donc dans ce Vendée Globe, notamment en tête avec Yannick Bestaven, qui n'est plus leader de ce Vendée Globe. Pourquoi, comment, quelles sont les options, que peut-il se passer maintenant? On en reparle dans un instant avec Patrick Favier, c'est le journaliste sportif spécialisé voile à Sud-Ouest. Mais tout de suite, parce que c'est l'autre événement de ces dernières heures, le Cap Horn franchi pour Arnaud Boissière, qui a fait la gentillesse de passer quelques instants avec nous. Arnaud Boissière, on ne sait plus trop, on dit quoi à cette heure-ci? Bonjour, bonsoir, comment ça se passe? Non, on dit bonjour, je suis en train de rattraper les créneaux horaires européens, donc bonjour, c'est bien. J'ai mangé il y a un quart d'heure, donc ça va. Quelles sont, Arnaud Boissière, les conditions de mer, là? Parce qu'on suit votre aventure depuis le début. On sait que vous avez vraiment traversé des conditions absolument dantesques que vous n'aviez d'ailleurs jamais connues. Ça va un peu mieux, là? Ça s'est calmé? Oui, carrément. Au moment où tu franchis le Cap Horn, quelques heures plus tard, c'est comme si tu passais sur le lac de Cazaux, quoi. Il n'y a plus de vent, c'est plat. Toute la nuit, il n'y avait pas de vent. Et là, ça revient progressivement. J'arrive à proximité des Malouines et le vent se renforce. Mais déjà, la mer est vachement plus calme que dans les mers du Sud. Et c'est vachement plus humain. Et mon premier travail en ce moment, c'est quoi? C'est de faire dodo et me reposer. Et te reposer parce que c'est important. C'est la dernière ligne droite, finalement, cette remontée de l'Atlantique pour arriver au Sable d'Olonne. Justement, une remontée un peu compliquée. On le voit déjà, ne serait-ce qu'en tête de course, avec le retour des poursuivants de Yannick Bestaven. Et pour toi, comment se dessine la route? Ouais, faut faire gaffe, hein. C'est la dernière ligne droite, mais ça dure 3 semaines à moi, donc c'est quand même long. Pour l'instant, c'est plutôt pas mal, la météo. Toi, je suis au portant, là. Ça va forcir. Je vais aller laisser les Malouines sur ma gauche, aller vers la zone de glace à droite. Je vais empanner et je vais buter également, comme Yannick a buté dans une zone où il y aura moins de vent. Mais j'espère que moins longtemps que Yannick. Et a priori, la météo à 10 jours, là, elle est plutôt favorable pour moi. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça fait du bien, ouais, au moral, et puis c'est sûr que tu vois le compteur se réduire jusqu'à la maison, quoi. On vous a vu il y a quelques instants, Yannick, Arnaud Boissière, pardon, lever les bras au ciel, votre quatrième Cap Horn d'affilée, dans ce quatrième Vendée Globe d'affilée. Est-ce que ce quatrième avait un goût particulier, Arnaud Boissière? Le quatrième ou le premier ou le quinzième, c'est toujours un peu particulier. Le Cap Horn, c'est juste le Cap Horn, c'est juste énorme. Juste que a priori, je suis le seul à avoir fait quatre Vendée Globe, quatre Cap Horn d'affilée pendant le Vendée Globe. Donc ça met un caractère un peu exceptionnel, mais le franchir même une fois, c'est exceptionnel. Donc j'ai savouré ces moments-là. Les conditions étaient plutôt clémentes entre deux, parce que au moment où je me filme, il fait beau, mais une heure plus tard, il y a 42. Donc j'ai savouré, et c'est vrai que c'est un ouf de soulagement, même si c'est pas fini. Mais en tout cas, c'est à chaque fois différent, et c'est à chaque fois prenant au niveau émotion, au niveau tension aussi, parce que c'est quand même tendu, les mers du Sud. Là, maintenant, ça se détend, mais il y a quand même une pression, parce qu'on est quand même en solitaire sur ces bateaux-là, et c'est toujours un peu extrême. C'est la course, vous l'avez dit, n'est pas terminée. Il reste encore au moins 3 semaines. Et on regarde plus devant ou plus derrière maintenant? En fait, j'ai un problème. C'est que mon problème, il s'appelle Charal. Charal faisait partie des favoris. Il a eu des problèmes au départ. Il est revenu, il est reparti avec quelques jours de retard. Et là, il est en train de me rattraper. Et tout à l'heure, là, tu vois, je suis à 18 nœuds, là. Lui, il était à 23, 24 nœuds. Donc, à un moment, je pense qu'à un moment, il va me déboîter. On s'est écrit avec Jérémy. Et il a une voile en moins, mais il va quand même bien plus vite. Là, il n'a pas besoin, cette voile-là, d'ailleurs. Et devant, mon principal concurrent devant, c'est Romain Tanasio, qui est prenable sur le papier, mis à part qu'il est loin devant. Donc, à part un coup de Trafalgar, voilà. Mais bon, je pense qu'il faut que je reste droit dans mes bottes. Il faut que je continue à avancer
avec mon bateau autant que je peux, et si jamais il y a une possibilité de vent, que ce soit, il faut que ce soit opportuniste, quoi. Donc, on regarde partout. Je regarde surtout Yannick. Je regarde mon pote Yannick, il s'est fait dépasser, mais j'ai confiance. Et là, il est un peu reparti. J'espère qu'il va pouvoir reprendre la tête. Saven, oui, justement, vous regardez un petit peu ce qui se passe en tête. Vous êtes inquiet, nous voici pour la suite. Et Yannick Bestaven, où vous l'avez dit, c'est encore trois semaines, un mois de course. Et donc, il peut se passer plein de choses en tête. Ouais, il peut se passer plein de choses. Mais avec Yannick, on s'est pas mal écrit. Là, il sentait le coup que ça allait revenir. Après, autant que ça, peut-être pas. Mais là, je lui ai envoyé un message il y a une heure, tu vois, pour le booster. Forcément, quand tu as beaucoup d'avance pour te faire rattraper, ça fout un coup au moral. Donc j'ai envoyé un petit message d'encouragement. C'est pas le genre à lâcher le morceau, Yannick. Donc, j'ai confiance. Je pense qu'il va. Il ne va pas lâcher comme ça, mais derrière, il y a une sacrée note. Alors, Arnaud Boissière, donc on l'a dit, hein, c'est un moment un peu exceptionnel. On a passé les 60 jours de course. Quel est votre moment, le meilleur souvenir et votre pire souvenir là, sur ces 60 et quelques jours de course, une fois franchi le Cap Horn ? Il y a eu un moment où j'allais très vite et le bateau allait bien. J'allais aussi vite au Citane. J'étais à 20 nœuds moyens et j'étais super content. J'étais le long de la zone des glaces dans l'océan Indien. J'étais content pour le bateau, pour moi, parce que j'étais vraiment bien que le bateau. Ça a duré un peu plus de deux jours, donc c'était quand même des bons moments. Après, un moment intense, c'est le moment où j'ai eu plus de 60 nœuds de vent, la tempête. Donc c'est un moment au seul coup où, pas très serein, et après coup, quand tu passes après la tempête, il y a une petite fierté, donc ce moment-là, je n'oublierai pas. Et le moment aussi qui est extraordinaire, c'est hier le Cap Horn. Hein. Ça reste pour moi, c'est les trois moments les plus forts. Mais le Cap Horn, ça reste un moment super. Tu vois, j'ai même ouvert une petite bière Mira pour fêter l'événement, tellement j'étais content. Arnaud, c'est là où il faut faire le plus attention à son bateau sur ces trois dernières semaines, faut en prendre soin. Ouais, mais tu sais, un bateau, il faut tout le temps prendre soin. Hein. Mais avec les trois semaines de mer du Sud, c'est sûr qu'il a pris plein la gueule, le pauvre. J'ai réparé quelques petites choses, des petites poulies, des petites ficelles là, ces derniers jours. Et j'attends avec impatience dans deux, trois jours. Je pense que vendredi, je serai un peu plus dans les calmes. J'ai deux, trois petits bricoles à faire et j'attends que le vent soit plus calme pour pouvoir aller devant bricoler. Et entre nous, j'attends qu'il fasse meilleur parce que là, il fait 5-6 degrés. Cette nuit, il faisait 2 degrés. Donc ça pèle, quoi. Donc, il faut faire gaffe à tout. Ouais. Même chaque manœuvre, je l'ai fait différemment que les premiers jours. Là, les manœuvres, je fais un peu plus attention. Les cordages s'abîment, les winches et tout ça. Donc c'est pas le moment, fin d'été. Merci beaucoup, Arnaud Boissière, de nous avoir accordé ces quelques instants. Encore une fois, félicitations. Nous aurons peut-être, j'espère en tout cas, l'occasion de revenir vers vous d'ici la fin de ce Vendée Globe, en rappelant que vous êtes 14e à l'heure actuelle et que vous avez donc franchi le Cap Horn. C'est votre 4e Cap Horn d'affilée, puisque c'est votre 4e Vendée Globe d'affilée. Bon vent, Arnaud Boissière, à bientôt. Merci aussi à Christophe Chavanneau. Un voileux, comme on dit. Et merci d'avoir été là. On continue merci, d'en Bastien. Parler du Vendée Globe. Cette fois, on va voir ce qui se passe en tête. Parce que Yannick Bestaven, qui était largement en tête il y a encore quelques jours, s'est fait rattraper et même doubler. Que se passe-t-il en ce moment ? Que peut-il se passer dans les jours qui viennent ? On en parle tout de suite. Et on en parle avec Patrick Favier. Bonsoir. Bonsoir, Bastien. Vous êtes journaliste sportif à Sud-Ouest, spécialisé dans la voile. Qu'est-ce qui se passe en tête de ce Vendée Globe ? Un truc de fou. Après plus de 60 jours de course, c'est une première. On se retrouve avec 5 skippers qui passent les uns après les autres en tête de la course, du jamais vu. Alors oui, c'est du jamais vu, parce que des regroupements en tête de la course, il y en avait eu, mais en général, entre deux ou trois skippers, là, ils sont 5, voire 6. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Yannick Bestaven, qui était leader, a été pris dans une bulle anticyclonique. À partir de samedi, il a vu son avance fondre. Et cette bulle anticyclonique, elle s'est estompée pour tous ceux qui étaient derrière et qui donc l'ont rejoint.
D'accord, donc on va voir justement ce qui se passe en tête actuellement. Alors ça va tellement vite que c'était en début d'après-midi, mais depuis, ça a changé, puisque Yannick Bestaven était à ce moment-là quatrième, il est passé troisième, il est de nouveau maintenant second, mais c'est toujours Charlie Dalin qui est en tête. Enfin, on le voit. Ce qu'on peut remarquer quand même, c'est que Yannick Bestaven est le bateau le plus près de Rio de Janeiro. Alors, il n'a pas choisi la même option météo que les autres, c'est ça qui se passe ? Alors, il a été obligé de prendre cette option parce que lui, ça ne l'intéressait pas, comme il était très en avance, de passer à l'est. Il devait être un peu plus à l'ouest. Maintenant, il est dans une position où il espère pouvoir retoucher le premier, les vents qu'on appelle les alizés, qui sont porteurs et qui devraient lui permettre de remonter. Et donc, c'est tout l'enjeu. On voit sur cette carte les positions avec les vents qu'il va y avoir cette nuit à minuit. Et donc, demain matin, on saura lequel des skippers sera le mieux tiré de cette situation et sera reparti le premier après le coup de fin brutal qui touche toute la flotte maintenant. Voilà, le Vendée Globe peut se jouer dès maintenant ou Arnaud Boissière nous l'a dit il y a quelques instants, il y a encore à peu près 3 semaines, 1 mois de course, donc il peut s'en passer beaucoup. Ou là déjà, celui qui va sortir en tête de ce moment-là prend une grosse option. Alors il y a tellement de tournants dans un Vendée Globe, il y en a eu tellement dans celui-là qu'on ne peut pas dire que c'est la journée décisive. On verra, en tout cas c'est un moment effectivement important. Très important. On va voir aussi quand le vent reviendra quel sera l'état des bateaux, ceux qui pourront aller le plus vite, parce qu'au bout de 66 jours c'est un Vendée Globe qui est très très long, les bateaux sont fatigués, disait Yannick Bestaven hier, les marins aussi, on le voit dans les vidéos. On ne peut pas dire que celui qui sera en tête demain matin sera le vainqueur du Vendée Globe. Avec quand même un petit avantage, peut-être, pour Yannick Bestaven, c'est ces fameux foils dont les bateaux de ses poursuivants, notamment Ruyan et Dalin, ont des petits pépins. Donc, c'est peut-être un petit plus, peut-être. Alors oui, c'est un petit plus, puisque lui, ses foils sont intacts. C'est des petits foils, ils mesurent la moitié de ceux des autres. Mais ils vont surtout s'appuyer sur le foil qui est à gauche du bateau. Et Thomas Ruyan, lui, a été obligé, il a un foil abîmé de ce côté-là, il était obligé de l'amputer. Donc il est plus petit et il est rentré. Charlie Dalin a eu des problèmes avec son système de fixation de ce foil gauche. Il est obligé de le rentrer pour ne pas que le foil appuie trop et crée trop d'efforts. Donc, est-ce qu'ils pourront utiliser à fond leur foil moderne ? Est-ce que Yannick Bestaven sera avantagé par le fait d'avoir des plus petits foils, mais un bateau en parfait état, ça aussi, on le saura ces prochains jours. Vous l'avez bien compris, cette fin de Vendée Globe ressemble quasiment à une régate, un truc de fou. Est-ce que dans cette épreuve, Yannick Bestaven a les armes ? Est-ce que c'est un bon régatier, notre Néo-Aquitain ? Alors, c'est un très bon régatier. Tout le monde ne le sait pas parce qu'il est moins connu que Charlie Dalin. Il a surtout préparé son Vendée Globe en classe 40, une classe qui n'est pas très connue, mais il a gagné 2 fois la Transat Jacques Vabre dans des conditions d'ailleurs qui rappellent ce qui se passe en ce moment pour celle de 2015. Oui, il est très fort. Tout le monde le sait. Tout le plateau des marins le sait. Les autres ne le sont pas moins. Mais il est arme égale de ce point de vue-là et du point de vue du caractère et de la combativité aussi. Voilà. Puis on l'a vu, parce qu'on suit bien évidemment régulièrement ce qui se passe sur ce Vendée Globe avec les éléments que nous envoient les skippers, les éléments vidéo. Arnaud, Yannick Bestaven, lui, c'est clair, il est dans la pétole, hein, quasiment, ça avance très très peu, son bateau n'avance qu'à 10 ou 12 km/h, ce qui est absolument, absolument ridicule, hein, pour un bateau comme celui-là. Il a pris un coup moral, hein, quand même, parce que c'est dur pour lui, c'est très très dur, dit-il, d'avoir été en tête depuis mi-décembre et de se voir dépasser là, par plusieurs autres concurrents. Oui, il disait, il était très fatigué. Après, il y a eu une vidéo de Charlie Dalin où Charlie Dalin est très fatigué aussi. Là, le moral un peu meilleur parce qu'il dit que le garde-barrière a été son pote, c'est-à-dire celui qui a fermé la route, c'était son Yannick Bestaven en arrêtant les vents, était son ami. Mais Yannick, ils sont tous arrêtés pour le moment. Oui, là, cet après-midi, là, ils ont tous une journée difficile. Et ils vont tous à nouveau voir les places changer. Et voilà, c'est ce qu'on appelle être scotché dans la pétole. C'est une expression que j'aime bien, donc dès que je peux, je la remplace. Et puis alors, n'allez pas imaginer, c'est là-dessus qu'on va terminer, que des conditions de vent un petit peu moins dures que celles connues la semaine dernière par les skippers avec une énorme tempête. Hein. N'allez pas imaginer que c'est plus calme. Au contraire, il faut régler beaucoup plus finement
le bateau. Il faut arriver à être suffisamment réactif pour pouvoir profiter de la moindre risée. Parfois, il y a un nuage, tout d'un coup, il y a 12, 20 nœuds, le bateau se couche, et puis au bout de 5 minutes, plus rien, faut refaire les réglages. C'est très, très éprouvant pour les hommes. C'est extrêmement éprouvant, Yannick Bestaven le disait, dès hier matin, il n'avait pas dormi de la nuit, et c'est il n'a pas dormi non plus la précédente sans doute, pour être effectivement à l'affût des réglages, surtout saisir le moindre petit filet de vent qui arrive, qui est très important. Voilà, vous l'avez compris, cette fin de Vendée Globe va être absolument passionnante. Eh bien, nous vous la ferons vivre, bien sûr, sur TV7, avec, comme on l'a fait tout à l'heure, des nouvelles, des interviews directement avec les skippers de Nouvelle-Aquitaine que nous suivons depuis le départ de ce Vendée Globe. D'ailleurs, nous devrions, n'est-ce pas Patrick, avoir Yannick Bestaven d'ici la fin de la semaine. Donc, le Vendée Globe, c'est à suivre sur TV7 et bien sûr sur sudouest.fr.